Yo yo yo, salut tout le monde, c'est Axel Econ dans cette carte. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu, sur Minecraft, sur PS4. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer un golem. Donc, le golem, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Donc, le golem, c'est ça. Le golem, c'est une espèce de gros truc bizarre là qui a les yeux rouges qui fait peur. Donc ça c'est un golem. Donc aujourd'hui c'est pour vous dire comment le créer. Donc là j'en ai déjà créé pas mal, mais bon, on n'est pas obligé de créer en tout le temps. Mais bon, moi j'aime bien le créer. Pour moi ça fait partie des PNJ. Donc pour être plus précis, ce sont des gardes du corps, on va dire des gardes du corps de PNJ. Donc plus ils sont nombreux pour moi, plus c'est bien. Mais bon, là pour l'instant je trouve pas qu'ils défendent bien parce qu'ils restent trop à côté des PNJ, je trouve. Mais c'est pas grave, on va le créer, on va commencer de A à Z. Donc comme vous avez sûrement remarqué là-bas, au loin là-bas, vous avez remarqué que c'est un citrouille. Donc ça fait partie des ingrédients, on va dire. Allez, c'est parti, on va par là. Donc ici c'est ma table secrète, on va dire. Les PNJ, j'ai pas le droit de passer par là. Donc on a besoin de blocs de fer, on a besoin, pour cela il faut lingots de fer. Voilà, donc pour faire un bloc de fer, il faut plusieurs lingots de fer. Donc là on a à peu près un sac, hein. Allez, tout de suite on va aller le transformer. Voilà, donc là pour avoir un bloc de fer il faut 9, quand même 9 lingots de fer, qui est énorme pour faire ça. Donc ça va me bouffer beaucoup de fer. Donc pour faire le golem il faut au moins 4 blocs de fer. Donc là j'en ai deux déjà, 3 et 4. Donc là on a 4 ici. Et ensuite bon, je vais mettre en place, hein. Voilà, on va mettre ça en place. Et ensuite qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est c'est la citrouille. Il faut citrouille, citrouille. Donc là on a 17 citrouilles. Ben, on n'a pas besoin de tout ça, hein. Mais ici les citrouilles, où est-ce qu'on trouve les citrouilles? Les citrouilles, ça se trouve ben, dans la forêt, hein. Il y en a plusieurs dans la forêt, soit la forêt verte qui est par là, hein. Je ne peux pas vous montrer maintenant. Et vous pouvez planter comme ça. Comme ça, vous comptez 1, 2, 3, ensuite 1, 2, 3, et vous avez vu là, il faut pas planter côte à côte en fait. Il faut qu'il y ait un petit décalage entre la plantation. Il faut un décalage, quoi, et ainsi de suite. Donc même celui-là, je vais le casser pour donner l'exemple, hein. Ici, je vais casser. Voilà, il est cassé. Vous allez voir que ça va pousser aussitôt. Allez, bon, j'ai cassé un. Voilà, j'ai cassé un grain. Hop, je vais planter tout de suite. Donc là, il y a un ici. Voilà, il faut que je prends la fourche. Vite fait la fourche. Donc ça, on va dire, ça fait partie de des potagers, quoi. On va dire ça c'est absolument. Faut absolument avoir la touche pour faire ça. Donc ici ça, donc un, il y a un qui est planté, deuxième qui est là, donc ça ressemble à ça, hein. Ensuite ici on va laisser, hein, comme ça c'est bon. Hop, donc aussitôt je pense que ça va repousser. On va attendre un petit moment, enfin pas longtemps, parce que vous allez voir que ça va pousser aussitôt. J'ai même pas mis, on va dire, j'ai même pas mis la poudre d'os. Maintenant j'ai le temps de tuer une petite vache ici. Donc normalement ça prend pas du temps, vous allez voir. Mais en attendant on va faire tout de suite ce que j'ai à vous présenter, c'est-à-dire le golem. Donc vous avez 4 blocs de fer. Donc on va mettre comme ça ici. Voilà. On va dire ça c'est le pied, hein. C'est le pied, en fait, ça c'est le corps. Ensuite ça les bras. Et l'autre bras. Là, on a une espèce de chose qui va s'en arrêter. Et pour finir, on a la citrouille. Donc la citrouille, il faut mettre
au-dessus. Donc aussitôt, hein, regardez, dès qu'il spawn, il sait déjà où aller déjà. Il sait déjà exactement par où il faut aller. Donc il a un détecteur des PNJ, hein, des villageois. Il sait déjà où est-ce qu'il faut aller, quel endroit il faut protéger. Donc là, je le suis. Il réfléchit, alors il se demande est-ce qu'il est perdu ou pas. Voilà, il regarde s'il y a des PNJ par là ou pas. Parce qu'il regarde à peu près toutes les constructions. Là, il va apercevoir, hop, hop, il entend un bruit, hop. Là, il est où ce bruit? J'entends, mais je vois pas. Il faut dire qu'il est un petit peu con. Hein, il se demande, ah, il tourne, ah, mon pote, il est à côté, il est à gauche. Il se demande. J'ai un pote, je suis pas tout seul. Et là, hop, il a vu un PNJ. Il a vu un PNJ. Oh, il se demande, non, c'est pas les bons celui-là. Il a dit, c'est pas le bon. Peut-être qu'il est gêné par moi. Hein. Je vais me cacher par là. S'il ne me voit pas, peut-être qu'il va. Ah, ben voilà. Il était gêné par moi en fait. Je vais me cacher par là. Ici, il me verra pas. Ici. Voilà, il me verra pas. Je pense qu'il y en a comment dire, assez de golems par là, donc du coup il se dit bah c'est pas la peine que je vienne par là, donc ici, sinon on va être de trop, enfin s'il est assez intelligent, parce que là il y en a déjà 4 ici, 4 et ben on a 6 en tout, on a 6 en tout pour enfin on va dire, il y a déjà énormément de PNJ, hein. J'avais déjà vu ces populations comme ça là qui tournent à H24. Si on regarde, il doit avoir un PNJ là-haut. Je suis sûr et certain, il doit avoir un PNJ là-haut. Pas, je me suis trompé. Excusez-moi, on va aller voir l'autre côté. Non, là c'est pas des PNJ, c'est ferme pour le mouton. Voilà, les PNJ font le tour et c'est dommage pour l'instant qu'ils descendent pas vers le bas. Et là, oui, ils sont cachés là, il y en a un ici. Ils sont beaucoup, hein, ils sont beaucoup. Voilà, donc pour créer les PNJ, hein, c'est normalement ils peuvent se reproduire tout seuls, plus on construit, plus ils se reproduisent tout seuls, mais s'il n'y a pas de. S'ils n'ont pas à manger, je pense qu'ils se reproduisent pas tout seuls. Il faut leur donner du pain de temps en temps. Donc voilà, donc notre citrouille, il n'a toujours pas poussé, bah, je vais l'aider, hein, je vais donner un coup de main. Donc pour ça, pour donner un coup de main, on va prendre. Je sais pas s'il y en a par là. On va prendre poudre d'os. On n'a pas par là. On va prendre poudre d'os. Donc pour faire poudre d'os, je vais monter tout de suite. Voilà. Allez, ouvre-toi ces armes. Voilà, ça c'est bien. On ferme. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ouais, poudre d'os, je disais tout à l'heure. On va voir ça tout de suite. Si je me trompe pas. Mais je suis perdu. Voilà, on a trouvé des os. Voilà, donc pour faire des poudres d'os, on va faire comme ça. On va aller ici, au fond. Et ensuite, on va dans le colon. Donc on a trouvé tout de suite là. Voilà, on peut faire plusieurs. Voilà, plus c'est beaucoup, plus c'est mieux. Ensuite, on va aller dehors. On va mettre poudre d'os. Ah, mais voilà! Il a fallu que je gaspille les os pour qu'ils repoussent. Hein, voilà. Donc là, on a mis à peu près 5 minutes. Hein, 5 minutes à peu près. Donc voilà. Donc pour les poudres d'os, hein, vous pouvez faire ça. Hein, regardez ce que je vais faire. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment con. Hein. Hop. Il faut faire ça. Ensuite. Mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je fais des mauvais trucs. Mauvaise manipulation. C'est pas bon, c'est pas le bon poudre d'eau ça. Allez, on va revenir. Quand je ne décroche pas. Hop. Voilà. On revient. Et puis on fait ça. Ensuite, on fait ça. Pour faire un poudre d'eau, c'est comment déjà? On vient pas là, on vient pas là, on vient. Ah ouais, c'est à côté. Voilà. C'est pas là, je crois. Allez, on va trouver ça. Donc là, poudre douce, là je fais poudre douce. Mais c'est quoi la différence? Là c'est du colorant, oui. Je suis d'accord. C'est du colorant que j'ai fait. J'ai fait poudre douce, colorant. Mais un truc qui va pas. Mais je suis sûr que c'est bon. Je suis sûr que c'est bon ce que je fais.
Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Hein. Mettre par terre. Hein. Ah ben voilà, si, c'est bon. Si, c'est bon ce que je fais. Voilà, ça il faut que je retire tout de suite avant qu'il y ait un zombie qui spawn. Ça peut avoir des zombies si vous mettez ça comme ça, c'est pas le but. Donc voilà mes amis, on a fini cette vidéo. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Regardez, il y en a deux là. Je vais fermer ici quand même parce que Caro le Bungie va passer par là. Je vous invite à cliquer sur like, de faire partager, surtout au max de partage s'il vous plaît. Et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour la notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!